matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kerry. Quelle joie de vous retrouver pour le thème du jour. Je disais dans ma tranquillité. Alors, on va regarder ce texte dans le psaume 30 ce matin. Un merveilleux texte nous fait réfléchir. Alors que, oui, on peut être tranquille, même dans les moments de stress. Alors, on va regarder ça ensemble dans quelques minutes. Dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent toujours au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Je ne tremblerai pas » de mon ami Julien Adam. Petit chapeau, petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur. Toi seul es roi des rois, ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant, tu règnes pour toujours. Je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je choisis de vivre pour ta gloire. Tant que mes pas fouleront cette terre, oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur. Toi seul es roi des rois, ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Oh oui, je disais le thème du jour, je disais dans ma tranquillité, dans le psaume 30, 2 à 13. Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, tu t'es caché et j'ai été épouvanté. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours.
Vous savez, la Bible raconte que David a bien failli se faire tuer à maintes reprises alors qu'il a combattu le lion, l'ours à main nue. Et ensuite, le roi Saül a voulu le transpercer de sa lance. Le géant Goliath était sur le point de le manger tout cru. Une armée hostile le poursuivait. Et il a dû faire semblant d'être fou pour que les Philistins ne le tuent pas. Alors, imaginez. Notre David en a vécu des situations. Ça me fait penser à une blague ce matin. Vous savez que j'aime les blagues. Un jour, c'est l'histoire de deux hommes qui marchaient dans un champ lorsqu'ils ont aperçu un taureau engagé. Ils se sont précipités, enragés. Ces deux hommes étaient dans un champ et ce taureau enragé, s'est précipité vers eux et eux se sont précipités vers la clôture la plus proche et le taureau en furie les a suivis à la trace. Il est vite devenu évident que les deux gars n'arriveraient pas à la clôture à temps. Alors terrifiés, l'un d'eux a crié à l'autre: fais une prière, John, fais une prière, nous sommes dans le pétrin, mon ami. Alors Jean répondit: je peux pas, j'ai jamais fait ça, une prière publique, moi, dans ma vie. Mais tu dois le faire, Jean, tu dois implore ton Dieu maintenant. Et le taureau est en train de les rattraper. Et Jean répond: d'accord, je vais faire la seule prière que je connaisse, celle que mon père répétait à la table. Ô Seigneur, merci pour ce que nous allons recevoir. Rends-nous vraiment reconnaissants. Seigneur, merci pour ce que nous allons recevoir. Oh oui, ils ont dû recevoir. Alors, tout le monde cherche une sécurité quelconque, n'est-ce pas? En tout cas, ces deux gars-là en cherchaient une. Et certains pensent que la sécurité financière ou la sécurité par rapport à un poste permanent dans la vie va régler l'affaire. Avant de réaliser que je devais m'appuyer sur Dieu seul, j'étais à la recherche, quand j'étais plus jeune, du boulot qui assurerait mes arrières, et il m'a préparé du début jusqu'à ce que je comprenne que je n'étais pas appelé à la zone de confort ou à la tranquillité. Quelqu'un disait, ne nous laissons pas piéger par la sécurité illusoire qu'offre la prospérité, car elle peut être facilement renversée. Alors, apprenons à dépendre du Seigneur. Comprenez-moi bien, là, je ne suis pas contre les personnes qui prospèrent. Au contraire, j'ai des amis chrétiens, vous le savez, en affaires, qui prospèrent beaucoup et qui sont impliqués à fond à faire avancer le royaume de Dieu. Alors, ils ne cherchent pas la tranquillité, et pourtant, ils le pourraient. Alors, je parle d'une attitude de cœur ici. Et comprenons que des épreuves, nous en aurons tous à un moment ou l'autre de notre vie. Mais réjouissons-nous que nous sommes revêtus de la puissance du sang de Jésus pour nous protéger, nous purifier et que nous pouvons nous appuyer sur les promesses de la parole de Dieu, le nom tout-puissant de Jésus pour dominer sur le péché, dominer sur la maladie et le diable, l'extraordinaire Saint-Esprit pour nous donner les moyens de vivre notre vie chrétienne dans la victoire. Alors, on peut s'appuyer sur le Saint-Esprit, comprenez? Pour toutes ces raisons, nous devrions louer Dieu pour un si grand héritage. Alors, aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour ses multiples bénédictions à notre égard et apprenons à être dépendants de Dieu et non indépendants. Et de cette façon, nous pourrons déclarer, même éprouver, je peux expérimenter la tranquillité. Que même éprouvé, je peux expérimenter la tranquillité. Je le répète, que même éprouvé, je peux expérimenter la tranquillité. Alors, on va prier. Ce matin, il y a beaucoup de sujets de prière. Seigneur, nous prions pour Noël, pour sa situation de logement. Un logement inadapté qu'elle a en ce moment, pour
s'est inadaptée à cause de son handicap et à cause de cela, elle vit de grands stress. Seigneur, merci de pourvoir à ses besoins, surnaturellement. Merci de lui donner ce qu'elle a besoin par ta main toute puissante. Seigneur, merci pour Hélène, afin de régler ce problème d'alcool, de la toucher maintenant, de la tête aux pieds, de la délivrer de cela. Merci pour Pascal, qui a été amputé d'une jambe et qui a fait un AVC. Merci d'entreprendre surnaturellement et puissamment. Déploie ta puissance de guérison sur Pascal. Merci pour Christiane, qui est surmenée et dépassée à cause de la situation. Alors merci de la visiter, de la relever, de la fortifier maintenant. Seigneur, merci pour Rémi, qui désire se marier. Alors merci d'entreprendre puissamment afin qu'il puisse trouver une conjointe et qui t'aime, Seigneur, et qui a une relation intime avec toi. Merci de le bénir. Merci pour Eva, Nicolas et Raphaël, qui ont des addictions et qui vivent la dépression. Seigneur, nous prions qu'ils se tournent vers toi et qu'ils puissent te faire confiance et s'abandonner dans tes bras d'amour. Merci pour Najat, afin de ranimer sa foi. Merci Seigneur de la toucher, de la visiter maintenant. Merci pour Marie-Françoise qui a fait de la polyarthrite rhumatoïde. Alors Seigneur, merci de la guérir, de la restaurer, de la relever. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. De les bénir, de les combler, de les garder sous ton aile. Merci Seigneur pour ta fidélité envers chacun d'eux, chacune d'elles. Devant toi, si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort ni la vie n'éteindront ma foi. Je ne tremblerai pas. Alors soyez tranquille. Faites confiance à Dieu. Demain matin, Dieu vous l'a. On est ensemble.